Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Great Ace Attorney Chronicle. J'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, nous allons continuer notre aventure. Il ne durera que 30 minutes. Je vous le dis, c'est clair, c'est précis, c'est net et précis. Il est 16h, il est 15h20 et dans 40 minutes, le Xenoblade Chronicles 3 direct commencera pour moi. Évidemment, il sera sorti pour vous il y a déjà plusieurs semaines. Et la vidéo de ma réaction au Xenoblade Chronicles 3 Direct sera également sortie déjà il y a plusieurs semaines, parce que je pense que je vais sortir dès ce soir pour moi, mais pour vous, ça aurait été dès le 22 juin. Donc, on va continuer sans plus attendre ce procès. Donc, Rei, qui avait dit dans le précédent épisode, si mes souvenirs sont bons, un indice plutôt très intéressant, notamment que la victime avait été poignardée, enfin était morte finalement lorsqu'elle était assise. Et on avait regardé sur la photo, je vais vous le montrer en même temps dans le rapport de justice, que sur la photo, dans le dossier de l'affaire, que voilà, sur la photo il y avait le rideau qui était ouvert, entaillé, et que comme elle est morte poignardée dans le dos, qu'elle était assise sur le tabouret pile poil avec l'ouverture, elle a très bien pu être poignardée depuis l'extérieur de la cabane, et que finalement Rei finalement s'allie innocente, complètement. Point d'exclamation. C'est là que j'ai vu le couteau dans son dos. Je ne pouvais pas comprendre ce qui venait d'arriver. Et ensuite, un instant après, j'ai été saisi de peur. Les pupilles de ses yeux étaient... étaient réduites, donc vraiment compactées, réduites en de petits points. Pourtant, alors, attendez... Pupil constriction. Ah oui, d'accord. Ok. Alors je sais pas, mais dans ma tête, c'était justement une dilatation des pupilles. En fait, c'est pas du tout une dilatation des pupilles. Contraction. Ok, j'avais une dilatation des pupilles. Est-ce que j'ai traduit ça dilatation des pupilles? Non, c'est une contraction des pupilles. Bref. Ok, je n'y crois pas. Enfin, il ne le dit pas dans le sens je n'y crois pas, c'est plutôt incroyable. Enfin, c'est impensable. En d'autres termes, vous avez réalisé que la victime souffrait des effets du poison volé. Mon esprit a commencé à fuser. Je n'avais jamais vu. Je n'ai rien vu traverser les lèvres de Mademoiselle Brett pendant que j'étais avec elle. Oui. Ce qui n'a laissé qu'une seule option possible pour que le poison soit entré dans son corps, le couteau. Sur la lame du couteau dans son dos. Oui. Et cette façon de penser vous a fait dire que. Vous a fait retirer la blade plutôt. La lame, pardon. C'était donc le raisonnement le plus logique. Oui, si un certain. Si la quantité qui était entrée dans son système sanguin était suffisamment petit, elle pouvait toujours avoir une chance. C'est ce que j'espérais. Vraiment. Je suis vraiment désolé d'être resté silencieuse aussi longtemps. Oshi en PLS, issu des grosses gouttes. Le juge qui se pose des questions comme d'hab, il est toujours à côté de la plaque. Alors, votre volonté de cacher la vérité de ce qui est arrivé n'est pas quelque chose qui peut être surpassé. Enfin, plutôt outrepassé plutôt. Non, pas outrepassé. Regardez, oublié plutôt. Voilà, oublié. Ça me paraît bien. Cependant, j'ai... C'est pas nécessairement, j'ai promptement noté le courage avec lequel vous venez de vous confesser au final. Merci, votre excellence. Ça peut se dire aussi, je pense. C'est presque perceptible, mais je pense que la balance, c'est donc que le poids de la balance plutôt est un petit peu plus de notre côté. Enfin, ça a changé de côté, quoi. Ah. Votre Excellence, ne soyez pas trompé. La victime s'est effondrée devant vos yeux, vous dites. Eh bien, même Bami San, si c'est le cas, peut-être pourrez-vous expliquer comment Miss Brett a été poignardée. Ah bah oui, évidemment. Eh bien, non, on peut, non.
n'avait aucune réponse parce que la vérité est simple, c'est vous qui avez poignardé la victime pour motiver par votre revanche. Objection. Vous n'avez aucune preuve concluante qui prouve cette déclaration, n'est-ce pas? Oh. J'ai une preuve. Et elle est très concluante. Qu'est-ce que le procureur prépare? C'était bref, mais il a hésité un moment ici. J'en suis presque sûr. Vous allez produire... Enfin, vous allez montrer plutôt la susmentionnée, ou la précédemment mentionnée plutôt, preuve au plus vite, procureur Oshii. 1000 petits points d'exclamation. Peut-être que... Some praise is due. Oui, some, donc un peu d'éloge et vous est dû, jeune étudiant... gueux, jeune gueux, de péquenot, de pacotille. Quoi? T'arrêtes un peu de nous insulter. Vu ta coupe de cheveux, je ferme ta gueule, moi. I had imagined that... Ok, non. J'avais imaginé qu'il n'y avait aucun... qu'il n'y aurait eu aucun besoin de soumettre cette évidence. Enfin, cette preuve. Une photo de plus. Mais vous avez... vous l'avez laissé pour vous-même. Enfin, bref. C'est de votre faute. Oui, ben justement, elle essaye d'enlever le couteau, là. Mais qu'est-ce que donc... Ouais, alors par contre, faut m'expliquer comment en effet ça a été pris. Comment? C'est qui? Who the fuck? Take the picture! Franchement. Qui? Qui a pris la photo? What the fuck? Donc pourrait-il y avoir une photo plus condamnante que cela? La cruauté dans l'air de la plage est presque palpable. Mais franchement, non, tu te poses pas des questions du qui c'est qui a apporté cette photo. T'as un photographe qui dit « Eh, regardez, j'ai une photo du meurtre. » Tu fais « Ah, bah, t'allais pas faire quelque chose avant, je sais pas. » Cette preuve, plus que n'importe quelle autre, révèle la vérité de la nature meurtrière de l'accusé. Puisqu'elle montre le moment précis que... Enfin, le moment précis... lorsque Membami, donc c'est Rei, a planté la dague dans le dos de la victime. Mais non, ce n'est pas vrai. Non. Je n'y crois pas. PLS. Attends. C'est qui a apporté la photo? Parce que nous, notre théorie, c'est qu'il était dehors et proche de la cabane. Puisqu'elle l'a planté ici. Et qu'a priori... La photo, où est-ce que la photo a été prise sur le... Je suis désolé, il n'y a pas d'ouverture. Comment cette photo peut exister? De l'ordre, de l'ordre, de l'ordre. Conseiller de la défense. Est-ce vous qui êtes responsable du cri strident, ou plutôt très aigu peut-être, qui vient de traverser ma salle de cours? Enfin, ma salle d'audience plutôt. Oui, c'est parce que c'est du château forcément. La voix est plus aiguë. Peut-être que sa voix n'était pas encore cassée. Ces jeunes péquenots sont lents d'esprit et lents en maturité. Je vais vous montrer qui est lent à maturer. C'est qui le con, hein? C'est toi. Careful. Attention, Susato commence à arriver. Et oui, ça va pas du tout. Oui, il est souvent dit qu'une image vaut mille mots. Et nous en avons là une preuve exemplaire. J'en suis pas du tout d'accord. La cour va accepter cette photographie extrêmement choquante. Cogent, c'est quoi cogent? C'est perturbante, troublante, c'est... Je n'ai point mon téléphone pour aller voir la traduction, donc RIP, je ne me suis pas préparé à cela. Eh ben tant pis, on n'ira pas voir la trad. Bah, il est où ce compte téléphone? Où est-ce que j'ai mis ce compte truc? Bah tant pis. Tant pis, tant pis. Je pense que c'est pas non plus dramatique.
Une photographie qui a été prise au moment où la victime a été attaquée. Ma chère amie peut être vue accroupie sur Madame Brett. Ok, ok. Ce n'est pas le moment exact où la victime a été attaquée. Je ne peux pas croire qu'il y a une photographie de ce genre, qu'il avait une photographie de ce genre dans sa manche l'entièreté du temps. Enfin, tout, depuis le début. C'est une image tellement violente que je suis vraiment... Enfin, que j'ai vraiment perdu mes mots. Je sais pas si c'est stark, violent, mais choquant, enfin, un truc dans le genre, quoi. Mais attendez un instant, je ne comprends pas. Comment avez-vous, je veux dire, qui a pris cette photographie? Ah ben merci, Ray. Hein, Ray? Objection! Ça n'a aucune importance ici. Arrêtez d'essayer de rediriger l'attention. Mais je suis désolé, non, si, ça a une importance. Moi, j'aimerais savoir qui a pris une photo et surtout où elle était par rapport à la scène du crime. C'est d'où ça sort, d'où ça vient. Oh. Objection. Non. C'est une chose absurde à dire. C'est important. Oui, c'est crucialement important. Je suis bien d'accord, Sujato. Quiconque a pris cette photo était un témoin de la mort de Miss Brett. La cour doit être autorisée à entendre le témoignage de cette personne. Ben merci, oui. Je vais soutenir la demande de la défense. Le procureur va révéler l'identité de la personne responsable de la prise, enfin, de responsable de cette photographie au plus vite. Eh ben oui, Yoshi, merci trop de balles. Eh bien, j'ai bien peur que je ne peux pas le faire. Ah bon, pourquoi? Pardon? Voyez-vous, cette photographie est arrivée au bureau de police impériale, enfin, dans les quartiers du bureau dans les quartiers du bureau de police impériale, par la poste rapide hier. Mais il n'y avait rien pour indiquer le nom de l'envoyeur ou son adresse. Donc la provenance, donc c'est pas la destination, c'est le point de départ. Voilà, le point de départ, plutôt le... Ouais, si, c'est le point de départ, c'est pas le point de départ, c'est la provenance, c'est quoi? L'endroit d'où tout ça provient. J'ai pas le mot, il y en a un. Hein. Bref, le point de départ. Le point de départ de... Non, c'est pas point de départ. C'est... Ça m'énerve, je veux trouver. C'est l'origine, voilà. L'origine, putain, c'est chaud, hein, c'est pas du tout pareil. L'origine de cette photographie est inconnue. Bonté, mais bon Dieu, évidemment. Est-ce que nous devons comprendre alors, conseiller, que en pleine connaissance des faits que cette photographie... attendez quoi? That in full knowledge of the fact that this photograph has the murkiest of origin... Ok. Donc en pleine connaissance des faits que cette photographie a les origines les plus mystérieuses, sombres, vous avez cru bon, sans aucun scrupule, qu'elle serait correcte pour être admise en tant que preuve à la Cour suprême. Oui, lorsque vous avez montré cette impression au début, j'ai remarqué que vous avez hésité un bref instant. Parce que vous savez qu'elle n'était pas complètement... enfin, qu'on ne pouvait pas complètement compter dessus, n'est-ce pas? Silence, votre jeune étudiant et ce professeur qui se la pète. Les faits est que c'est une preuve évidente que... Non. What matter is... Non, ce qui importe, c'est que cette impression expose de manière éloquente la vraie vérité. Enfin, la pleine vérité plutôt. Mais l'accusé a déjà admis avoir retiré la lame de la blessure. Clairement, ce n'est pas le moment où le couteau a été planté dans le dos de la victime, mais le moment où il a été enlevé. Ne faites pas perdre le temps à la cour avec de tels ramblings. C'est quoi? C'est des radotages? Peut-être quelque chose comme ça? En effet, sans avoir la connaissance de qui a réalisé cette photo, nous n'avons aucune possibilité de vérifier la déclaration.
et la scène qu'elle capture est sans aucun doute la preuve la plus appelante présentée à la cour. Si la défense est incapable d'éclairer un peu plus l'affaire sur le sujet, je crois que la conclusion est claire. Oh ben non, c'est impossible, Susato. C'est le moment pour toi de te battre. Si ce que tu as établi jusqu'ici est vrai, alors il n'y a aucun doute. Il y a une explication, évidemment. Cette photographie montre le moment où Rei a enlevé la lame depuis la victime. Oui, nous avons juste besoin de le prouver. Alors comment je pourrais prouver ça? Vous aurez plein de temps d'admettre votre défaite sur le train lent de retour dans votre province. Ouais, les trains qui sont pas très rapides, pas forcément. Et de ruminer la journée à laquelle vous avez vous êtes confronté à Taketsushi Oshi, le paquet de sushi Oshi à la cour de justice. Je ne peux pas déterminer qui a pris cette photographie, alors le procès va devoir être arrêté. Il doit y avoir un indice quelque part. Il doit y avoir une façon de travailler, non, de découvrir qui l'a prise. Et bien conseillé. Votre Excellence. Alors, on va sauvegarder. Parce que je ne suis pas très confiant. De une, dans ce qu'il va falloir présenter. La réelle question est qui a pris cette photographie? La vérité est... P-Apple. Qui a pu prendre cette photo? Bah, j'ai pas là le... C'est un témoin, Ça peut être Suzuki. Il y a un meurtrier, mais le meurtrier, j'ai tendance à penser qu'il n'est pas là encore. On l'a pas encore vu. J'ai du mal à penser que ce soit l'un des deux. Satoru Sonaga, ça peut pas être... Enfin, je pense pas que ce soit le meurtrier. À moins que... qu'il ait voulu chercher à se venger. Suzuki Natsume non plus. Parce que Osonaga, il n'était pas sur le mot. C'est pas son nom. Non, je ne sais pas. Je crois pas que je sache, hein. Je sais pas si c'est la réponse, mais non. Si j'abandonne maintenant, je ne serais pas capable de revoir les yeux de... Enfin, de regarder Rei à nouveau. Susato. Ok, tu dois voler. Ok, bref, tu dois se... Ok, bon, bah, je vais pas avoir le choix. Ok, ce n'est pas le... Ce n'est pas... À propos du fait de savoir si je peux ou ne peux pas... apporter une réponse à cela maintenant, mais c'est simplement que je dois apporter une réponse à cela. Ok, l'identité de la personne qui a pris cette photographie dramatique est, je vous l'assure, quelque chose que la défense peut et va révéler. Non, vous ne pouvez pas. Mais comme vous le déclarez aussi clairement, je vous en prie, éclairez-nous. Malheureusement, je suis actuellement incapable de présenter un nom. Oh, mais qu'est-ce que c'est... Mais quelle redescente... Blablabla, je sais pas quoi, bref. Redescente montagne russe. Cependant, je suis capable de présenter une preuve. La défense a une preuve qui révèle un détail important à propos de l'identité du photographe. Ah bon? Très bien, alors conseiller, présentez votre preuve à la cour. J'aimerais voir, justement, peut-être sur la photo. Ah. Est-ce que ça n'aurait pas à voir avec cette brisure? On dirait que c'est sur l'objectif. Est-ce que ça ne serait pas par hasard sur le journal? La même brisure. Et si, c'est bien le photographe de la du journal. Ok, ok. Quelle preuve que vous avez révèle quelque chose à propos de l'identité du photographe mystérieux? Bah, c'est clairement le newspaper, du coup. Hein. Je vais quand même sauvegarder, parce que je sais pas si c'est la photo. Je pense que c'est le journal. Hein, mais... Hop. Prends ça.
Qu'est-ce que c'est le journal à nouveau? Rocus England Returnees Tell All. Non, ce n'est pas le titre qui est important ici, votre excellence, c'est le photographe. Absolument. C'est le même objectif, donc le même appareil, donc le même photographe. Si vous y regardez précisément, vous allez remarquer qu'il y a des petites lignes blanches sur le côté droit. Ah oui, en effet. Elles avaient déjà attiré mon attention, il semblerait. Ha! Et alors? Une ombre peut-être, présumément, des branches d'un arbre, quelque chose du genre. Et non, pas du tout. C'est une brisure de l'objectif. Il n'y a pas d'arbre qui pousse à l'intérieur de mon laboratoire à l'université, je peux vous l'assurer. Maintenant, si vous regardez précisément cette photographie, eh bien, il y a la même chose, mon coucou. Ah ah! Bonté divine! Eh ben oui. Oui, exactement. Il y a le même schéma de ligne présent sur la photographie également. Objection! Eh bien, good. Eh bien, ça ne nous dit absolument rien. C'est une ombre d'une quelconque manière, définitivement. Des branches d'un arbre, mais please. Il n'y aurait absolument pas d'arbre qui pousse à l'intérieur d'une hutte à la plage, conseiller. PLS. Ce qui est plutôt remarquable, c'est que les deux schémas sont absolument identiques. Comment une telle similarité extraordinaire pourrait apparaître? Alors, évidemment. Donc le schéma qui correspond, le curieux schéma qui correspond, correspondant sur les deux photos, est le résultat d'un défaut de caméra. Évidemment, ça doit être dû à un problème avec la caméra utilisée pour prendre les photographies. Avec l'appareil photo. Oui, nous pouvons avec confidence dire que la lentille de la caméra doit être brisé, alors égratigné. Bon, bref, un peu brisé quoi. Et que cette égratignure sur la lentille cause des lignes non voulues à apparaître sur chaque photo prise avec cet appareil. En termes, enfin pour faire court, les deux photographies qui sont prises en considération ici ont été prises avec le même appareil photo. PLS au sushi dessus, le retour. Il doit y avoir des centaines de photos d'appareils photo avec le même, enfin non de non, le search camera. Oui, il doit y avoir des centaines de tels appareils photo ici dans la capitale. Cela serait presque impossible d'identifier le propriétaire de celui-ci en particulier. Maintenant, il travaille dans un journal, mon con. Je pense que vous oubliez quelque chose, procureur Oshi. Que ce photographe est. Enfin, que l'une de ses photographies est mise en. Enfin, apparaît dans un journal, dans un article du journal. Un journal. Ah! Hiéroglyphe. C'est cela. L'auteur de cet article est le mystérieux témoin de ce crime. C'est PLS. PLS d'Oshi. Melimao! Qu'est-ce donc? Ah. Je vois pourquoi vous vous êtes appelé Rocus England Returnee. Et qu'est-ce que vous criez? Vous avez déjà témoigné? Ah. C'est Menimemo, je vous le dis. Menimemo. Aucun appareil photo. Menimemo! Soseki. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que vous dites Menimemo? Depuis que je suis retourné au Japon, un reporter du Shoyu News, le titre du journal probablement, me suit quoi, me stalk. me parasite. Et me suit dans chacun de mes déplacements.
à un reporter du nom de Rayton Minimemo. Oui, il écrit des mini-mémos. Oui, hounding me from dawn to dawn, till dusk. Oui, il me poursuit, et il me hante. Non, c'est pas ça. Il me suit de l'aube au matin. Enfin, du crépuscule au matin. Enfin bref, de l'aube au crépuscule plutôt. Maintenant qu'il le mentionne... Voilà, c'est ça. A secret spy, snapshots, scribbled stories, and scupper of my privacy. C'est lui donc derrière, qui est là. Est-ce que ce reporter pourrait être celui-ci? Eh ben oui. Est-ce que d'ailleurs... Merde, j'ai pas regardé. Une appareil photo à sa gauche, un notebook, enfin un cahier à sa droite. Le voilà. Coincé entre le Rayton Minimemo. Donc vous dites que cette photo a été prise par Minimemo. Oui, votre honneur, votre excellence, Esquire, enfin sire. Officier, trouvez ce reporter de journal le plus vite possible et apportez-le ici, dans la salle d'audience. Nous allons ajourner pour un petit recours en attendant. Enfin, ajourner la séance. Ah, oui, votre excellence. Comme vous le dites, votre excellence. PLS de Hoshi. Et une chose de plus. Je veux que ce couteau, l'arme du crime, soit examiné pour des traces de poison. Vous allez solliciter l'assistance de l'université impériale du département médical de l'université impériale pour la tâche, compris? Oui, parce que sinon vous n'allez pas le trouver le poison. Paf. PLS. Mais. Manimemo. A votre confiance de la PLS là. C'est lui qui est en train de crever sur son bureau. Et ça, c'est cool. To be continued. Pour parler le bon anglois. Save your current progress. Absolument, nous allons sauvegarder notre progrès. Alors la question, comme je vous l'ai dit, le Nintendo Direct est dans un peu moins de 10 minutes. Enfin, un peu plus de 10 minutes, pardon. Mais on n'a pas fini l'épisode, donc on va continuer un peu l'épisode. Le 13 août à 10h41, la Cour suprême de la justice dans l'antichambre des accusés 3. Pin, 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 pin. Je suis tellement désolé, Susato. J'aurais dû te le dire à propos du poison. Ray. Tu as un sens fort de responsabilité, je le sais. Ce que tu as décidé ne devrait... C'est pour ça que tu as décidé de porter le fardeau seul. Non, ce n'est pas ça du tout. J'essayais juste... J'étais apeuré de ma propre... Enfin, de mon... J'étais apeuré que mon échec soit mis à la lumière, c'est tout. Donc j'espérais récupérer la substance de cette femme anglaise avant que quelqu'un ne le découvre. Oui, c'est ça. Avant que le procès ne commence, rappelez-vous... Est-ce que vous vous rappelez ce que vous avez dit, Susato? Enfin, ce que tu as dit plutôt. Que tu n'avais aucun doute dans ton esprit à propos de mon innocence. Que tu serais à mes côtés jusqu'à la fin. Je m'en rappelle. Et pourtant, je ne méritais pas ta confiance en toi. Enfin, en moi plutôt. Je t'ai caché des détails importants, Susato. J'ai complètement trahi ta foi en moi. Mais arrête un peu. Frappe-moi, Susato. Je le mérite. Non, en fait, jette-moi sur le sol. Non, c'est trop bon pour moi également. Traîne-moi dans les rues de la cité. Un peu extrême, non? Je ne suis pas mieux, tu sais. Hein? Ça, c'est la musique à l'époque quand elle nous a quittés, quand on était à Londres à l'époque. À l'époque, vous savez, le jeu précédent. Il y a 4 semaines. Peut-être un peu plus du coup, là. C'est peut-être un à 2 mois. Parce que les épisodes, bon bref. Même si, dans mon cœur, je savais que tu avais retiré le couteau de la lame du dos de Miss Brett,
Il y a juste eu un moment, un moment, où dans mon esprit, j'ai douté de toi. Suzato, je suis désolé. Après que je sois, que je me sois montré ici, j'ai promis, je t'ai promis que je serai à tes côtés tout le temps. Enfin, je serai tout le temps à tes côtés. J'ai trahi ta confiance en moi, également. Et voilà, et c'est pour ça que je t'ai, j'ai failli en tant qu'avocat, mais arrête un peu. Oh mais non. Faut arrêter. Je pense que cette situation vous a apprise à vous deux une leçon importante. Placez votre unbridled faith. Oui, placez votre foi inébranlable avec, en un autre n'est pas une tâche facile. Oui, père, ce fait est certainement... that fact has certainly struck home. Non, ce fait résonne en moi. Yes. C'est pour cela que je peux maintenant le voir clairement. Donc, Ray, oui. Est-ce que tu peux le trouver, trouver dans ton cœur de me pardonner? Mais oui, évidemment. Non, jamais! Tu es la plus grosse ripou. La pourriture de cette planète. T'imagines la réponse à ça? Oh, Suzato. Tu sais toujours comment être galante. Dashing lawyer in my eyes now. Enfin bref, tu es un avocat parfait dans mes yeux maintenant. Oreille. Alors, je serais curieux de savoir les portraits qu'il y a au fond. Qui c'est qu'il représente? Est-ce qu'il représente des vraies personnes ou pas? C'est bien détaillé pour être des fausses personnes. Je suis intéressé de savoir qui c'est. Plein de petits points. J'étais tellement effrayé, tu sais, que de ce qui était arrivé. Je ne savais pas ce qu'il allait se passer. Et vous savez quoi? Nous allons nous arrêter là pour cet épisode. Voilà, voilà, vous le savez, ça tombe depuis longtemps. On va sauvegarder, on se retrouve dans le prochain pour la suite. Ça sera la semaine prochaine. Ciao, ciao tout le monde!